Bonsoir à tous, nous sommes dimanche et le dimanche c'est capital. Chaque soir nous passons en moyenne une vingtaine de minutes à préparer le dîner. C'est deux fois moins de temps qu'il y a 20 ans. Un manque de temps qui a créé un marché des repas vite prêts pour les industriels, des plats chers et rapides à cuisiner, mais aussi des appareils électroménagers censés nous faire gagner du temps. Capital présente Vite fait, vite prêt, enquête sur les plats express des familles. Elles sont bonnes, elles sont fraîches, elles sont prêtes en 3 minutes. Les pâtes fraîches ont la cote, mais que se cache-t-il derrière ces emballages qui fleurent bon l'Italie? Extrait. Buongiorno signora bella. Des pâtes fraîches avec de la burrata et du citron. C'est trop bon, je vais en prendre. Il y a une dizaine d'années, on était à peu près sur une soixantaine de références. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 140 références. On a déjà des premières approches par l'agence. On aurait une recette à base de mascarpone, scamorza fumée et copa. Quand on arrive devant le rayon, il y a le coup de cœur qui joue, l'envie, le plaisir. On est en train de préparer le 4 fromages. On met du pecorino, on met du parmesan. Il faut trouver l'équilibre qui plaise aux consommateurs. Ça fait 4,10 € s'il vous plaît. Oui, c'est des pâtes artisanales, ça. Qui est-ce qui les a fabriquées? C'est pas fait dans ma maison, mais c'est fait maison. Merci beaucoup. Très bonne journée. Excellent. C'est pas l'industriel, ça. En panne d'inspiration pour le dîner, la purée en sachet est le plat express de dernière minute, facile et ultra rapide. Face à de nouveaux concurrents, comment le leader Mousseline tente-t-il de réinventer la purée? Extrait. C'est pas cher du tout. Maintenant, après, gustativement, faut voir ce que ça donne. Donc là, la pomme de terre arrive du service agricole. Cette machine-là, elle va brosser pour pouvoir retirer la pelure. Pour Mousseline, il y a à peu près 3000 tonnes. Et ça vous tient combien de temps du coup? 6 jours. Ce rayon qui était un petit peu vieillissant, qui ne se renouvelait pas, que ce soit de la purée auvergnate ou d'aligot, eh bien voilà, ça j'adore ce type de référence. J'ai acheté l'écrasé de carottes et pommes de terre. Pour moi, c'était une meilleure qualité et c'est pas du reconstitué. Donc on est parti d'une idée toute bête, ce serait sympa de faire une tour Eiffel. Et puis cette merveille. La concurrence est rude. Bataille de purée! 8 Français sur 10 boivent du café, principalement le matin. Face aux célèbres machines à capsules, les machines à grains, comme au bistrot, font leur apparition. Pourquoi risquez-vous de craquer pour ces nouvelles machines? Extrait. Là, c'est mon fief du café. C'est top de top, j'ai mon café de bar à la maison. Elle est à 600 €. Clairement, ça coûte bien moins cher d'avoir du bon café que de boire du mauvais. Hein. Une fois qu'on a ça, on ne peut pas revenir en arrière, c'est foutu. Quoi. C'est tellement bon. Non, c'est très cher, là, la machine, elle est effectivement pas donnée du tout. En l'espace de 12, 18, 24 mois, l'achat de la machine est rentabilisé par l'économie qui est faite sur le café. Et bien sûr, en fin d'émission, nous retrouverons Martial You qui nous présentera de nouveaux appareils électroménagers révolutionnaires censés nous faciliter la vie en cuisine. Ce réfrigérateur est bluffant. On a la possibilité de regarder ce qu'il y a à l'intérieur du réfrigérateur grâce à des caméras. Grâce à l'intelligence artificielle, le four va reconnaître jusqu'à 35 ingrédients. Vous allez pouvoir choisir le mode de cuisson. Bien cuit d'un côté et l'autre profil un peu plus moelleux. Ça coûte aux alentours de 336 € quand même, ce grille-pain intelligent. Hein. Ricotta, épinards, tomates basilic ou encore 3 fromages, les pâtes fraîches aux saveurs de l'Italie envahissent les étals de nos supermarchés. Les Français en ont consommé près de 100 000 tonnes l'an dernier, un chiffre qui a doublé en 15 ans. Prête en 3 minutes chrono, il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. Mais derrière les étiquettes appétissantes, que se cache-t-il dans la farce? Capital présente, ravioli, pâtes fraîches, que valent les pastas prêtes à l'emploi? Un reportage de Paul Labrosse. À Lyon, dans un temple de la gastronomie, quelques privilégiés exaucent aujourd'hui l'un de leurs rêves. Les pâtes que nous allons travailler ici, les deux principaux ingrédients, c'est la farine et les œufs. Être formé par un chef à cuisiner des pâtes fraîches. Pour moi, la recette de pâte à pâte est extrêmement simple. Un œuf pour 100 g de farine. Vous stressez la pâte. La pâte va devenir un petit peu élastique. Les pâtes fraîches, de plus en plus de Français en raffolent, et surtout des pâtes farcies. Alors ici, on veut avoir les armes pour ne plus en manquer. J'en mange à peu près 3 à 4 fois par semaine. Ouais, c'est bizarre. Ça commence. Je sais qu'à la maison, ce sera reproduit régulièrement. Mon mari, qui est d'origine italienne,
Donc ce cours aussi, c'est un peu un clin d'œil pour pouvoir enfin pouvoir faire des pâtes et pas que les pâtes de la maman. Je pourrais maintenant prendre un peu de place en concurrence. Au programme ce jour-là, des ingrédients italiens pour magnifier les recettes. On a le fromage italien fumé, on a la ricotta, on a 75 g de parmesan, le jambon cru qu'on est en train de couper. Un programme alléchant. Mais les élèves sont loin de se douter des difficultés qui les attendent. Vous commencez avec la largeur la plus grande. Le laminage de la pâte, en pratique. J'aime pas. C'est là que ça se complique. Ah, le laminage, c'est pas sûr. Mais là, ça, c'est quand même... Même les plus expérimentés s'y cassent parfois les dents. Mais finalement, les recettes mettent quand même l'eau à la bouche. Ravioli au fromage et jambon cru. Émulsion roquette, sauce tomate. Linguine à la carbonara. Et linguine à l'encre de sèche, gambas et lard de colonnata. C'est vraiment très très joli. C'est un rendu digne des grands restaurants, ça ouais, c'est clair. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'on en espérant faire aussi bien la maison, mais on y croit. Ah non, mais c'est excellent. Seul problème, chaque recette leur a pris au moins 2 heures à préparer. Ah, c'est beau. Alors aujourd'hui, la promesse des rois de la pâte, c'est de se régaler, mais sans se fouler. Prêt en 3 minutes de cuisson en moyenne pour un repas complet pour 2 personnes, les pâtes fraîches remplissent chaque année plus d'assiettes. Près de 100 000 tonnes ont été consommées l'an dernier en France, 2 fois plus qu'il y a 15 ans. On n'a pas que ça sort directement de la cuisine, que ça vient d'être fabriqué. Les pâtes fraîches, c'est meilleur que les pâtes dures. On a la viande, on a les pâtes, on ajoute un peu de crème et c'est bon quoi. Un marché où la concurrence fait rage et où c'est souvent l'Italie qui tire son épingle du jeu. Buongiorno signora Bella. La prochaine fois, je mets une table, une bouteille de vin, 2 verres, on reste tous les deux, on passe la soirée ensemble, les violines et la tarantelle. Avec des prix allant d'€1,50 à près de 6 euros la barquette, qu'achète-t-on vraiment? Et comment les industriels négocient-ils leurs marges? 1,80€, déjà, pour nous, c'est trop. Après les supermarchés, les pâtes fraîches ont aussi envahi les étals des marchés. Et certains n'aiment pas trop les curieux. Madame, elles viennent d'où vos pâtes? J'ai pas envie de manger. Plongez dans les coulisses des pâtes fraîches. Dans la banlieue de Lille, à l'heure du réassort, il y a un rayon qui demande chaque matin de plus en plus de travail aux employés de cet hypermarché. Ici, les pâtes fraîches, c'est 4 mètres de linéaire et 250 barquettes vendues chaque jour. Clémentine, la responsable du rayon alimentation, compare ce matin les chiffres de son magasin avec ceux de l'ensemble de la société Auchan. Bon, bah c'est super, impeccable, tout va bien, on va commencer par les chiffres. Le traiteur qui progresse 2 fois plus vite que la société, qui fait un plus 30 pour un plus 13 et qui est tiré par les pâtes fraîches ce matin. Ici, les pâtes fraîches, c'est la locomotive des ventes du rayon traiteur. Depuis que Clémentine est arrivée dans cet hypermarché, le rayon consacré à ses produits n'a cessé de grossir. Quand j'ai commencé, il y a une dizaine d'années, on était à peu près sur une 60aine de références, entre 60 et 70. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est plutôt aux alentours de 140 références. On est moins sur des recettes basiques et beaucoup plus sur des recettes qui ont été travaillées et complexifiées. À côté des traditionnels tagliatelles ou des gnocchi, ce sont les raviolis farcis qui ont fait exploser le nombre de références. On y met maintenant de la crevette, de la mortadelle, où on marie le poulet et le reblochon. Ces pâtes farcies représentent aujourd'hui 56% des ventes du secteur, avec des prix allant en moyenne de 8 à 20 euros le kilo. Face aux leaders, Lustucru et Giovanni Rana, les marques distributeurs gagnent toujours plus de parts de marché. Ici, c'est une ravioli maison qui est en tête des ventes. Chez nous, le produit star, ça va être ce produit ici. Hein. C'est un produit qui est le plus vendu, en tout cas, sur les produits pâtes fraîches. Ce produit-là, par exemple, peut faire, sur certaines journées, la moitié du chiffre d'affaires du rayon.
On va bien regarder qu'on soit bien approvisionné, que c'est ces produits-là qu'il faut bichonner. Si c'est une marque premier prix qui est en tête des ventes, on voit apparaître dans les rayons de plus en plus de marques avec un fort accent. L'Italie fait vendre. Alors certains emploient les grands moyens pour le faire savoir. Ce matin, dans cet hypermarché, on se croirait de l'autre côté des Alpes. Allô, là, allez, si vous en doutez, hein. Mais on est bien en région parisienne. Nous sommes, comme tu disais, sur 180-200 paquets. La mission de Dominique Marast et Marco Ganzi, nous faire voyager en Italie pour vendre un maximum de barquettes de pâtes. Pronti, pronti all'attacco. Parfait. Bon, ok, adesso, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, exacto. Il n'y a plus qu'à, c'est bel et bien du français. Car s'ils cultivent leurs origines... Bon Marco, un bocca al lupo. Grazie. Marco, l'animateur commercial, vit à Paris depuis 20 ans. Quant à Dominique... Vous êtes italien ? Alors moi je suis, comme peut-être on peut l'entendre, un petit peu toulousain. Mais effectivement, ma maman est née en Italie. Moi c'est un mélange Italie-Sud-Ouest. Prego. Surjoué ou pas, oggi si mangia e non si paga. La petite musique italienne suffit à faire s'arrêter les clients qui ne demandent qu'à être transportés. On n'a pas que ça sorte directement de la cuisine, que ça vient d'être fabriqué, comme si on était dans la baie de Naples. Buongiorno signora Bella. Aujourd'hui, les clients découvrent pour la première fois la toute dernière recette de la marque. Des pâtes fraîches avec de la burrata, de la menthe et du citron. Une recette inédite sur le marché pour cette marque française qui s'est spécialisée dans l'importation de produits italiens depuis 25 ans. Avec 1 200 000 barquettes de pâtes fraîches vendues chaque année, autour de 3,50 euros, leur chiffre d'affaires avoisine les 17 millions d'euros annuels. Ce qui fait de Tréo la quatrième marque nationale sur le marché français, derrière Lustucru, Giovanni Rana et Saint-Jean. On inspire pas mal d'autres marques, on en est fiers. Après, le marché est encore plus bataillé, malheureusement, mais on fait avec, et on existe et on arrive à exister, comme on peut le voir en rayon. Alors pour eux, une animation commerciale comme celle-ci, c'est un moment clé. Ce premier test auprès des clients déterminera la quantité de barquettes que la marque produira. Oh, c'est super bon. Et la recette semble validée. On sent bien la menthe. Hein. C'est super bon. On y est, hein? On l'a? Ouais. Voilà. C'est trop bon. Je vais en prendre. Cette marque, nous l'avons vue grandir. Il y a 13 ans, nous racontions déjà son parcours dans notre émission. À l'époque, elle s'appelait la Pasta di Angelo. C'était l'une des seules marques à jouer la carte de l'Italie. Alors, mettre en avant le physique d'Angelo, l'un des fondateurs que l'on voit ici, suffisait à faire vendre. Première animation commerciale à Continent Chambourcy. À l'arrière-plan, on reconnaît Dominique, l'Italo-Toulousain. Au fil du temps, la guerre des pâtes fraîches à l'italienne s'est durcie. Alors, pour se développer, la marque a dû s'adapter. Dans ses locaux parisiens, aux côtés de Dominique, il y a désormais Thierry Girardot, le nouveau patron, et Sophie Collot en charge du marketing. Alors, il y a toujours Angelo, hein, ouais. On le voit, qui est venu. Il est tenace, Angelo. Jusqu'en 2018. Jusqu'en 2018. Exit Angelo. Un physique italien ne suffit plus. Il faut maintenant un packaging qui marque les esprits, car en rayon, tout ne tient qu'à un fil. Sur sa liste de courses, on va marquer pâtes farcies. On va pas dire je veux les pâtes farcies, 4 fromages. Ou quand on arrive devant le rayon, bah, y a le coup de cœur qui joue, l'envie, le plaisir. Et c'est un achat qui est vraiment sous quelques microsecondes en fait. Pour emporter la décision dans les rayons, la marque a proposé une quarantaine de recettes en 25 ans. La prochaine ne sortira qu'à l'hiver, mais on pourrait croire qu'elle est déjà en vente. Un projet de barquette existe avant même la recette. Donc voilà les deux, on a déjà des premières approches par l'agence. Première maquette. On a cherché à intégrer une recette à base de fromage et de charcuterie. Ouais. Donc tu vois, on a dit l'unité de besoin, elle est ici. Sophie a commencé par identifier un manque dans la gamme existante. Le format de pâte n'est pas encore défini, mais la farce contiendrait du mascarpone et de la scamorza fumée, des fromages italiens,
et surtout de la Copa, une charcuterie dont les ventes explosent. L'équipe a déjà ciblé un prix de vente de sa future barquette en supermarché, 3,80 €. Et Dominique a même en tête le prix auquel il voudrait l'acheter à son fournisseur italien. La cible, voilà, avec Sophie, on se fixait des cibles d'achat autour d'un euro 60. Voilà. C'est pas déconnant, 1,60 €, c'est pas quelque chose de. Voilà. Après, ça sera peut-être, on aura peut-être de belles surprises, hein, peut-être 1,50 €, peut-être. Bon. Notre cible, c'est ça. Pourquoi un tel écart entre le prix de fabrication et le prix de vente? Car la marque a beaucoup d'autres frais. Quand Tréo achète sa barquette à l'usine italienne à 1,60 €, elle paye le transport jusqu'en France, plus 30 centimes par barquette. Il y a les frais de fonctionnement de la marque et les salaires, 20 centimes par barquette. Puis, le supermarché ajoute sa marge brute, qui inclut ses propres frais, plus 1,20 €. On ajoute la TVA, 20 centimes. Au final, Tréo affirme garder environ 15% de marge nette, soit 25 centimes par barquette. L'équipe a donc un prix cible, un visuel, des ingrédients. Reste maintenant à espérer que la recette soit bonne. Et cela va se jouer en Italie. Leurs pâtes farcies sont fabriquées dans le nord du pays, à quelques kilomètres de Parme, l'un des berceaux de la gastronomie italienne. On connaît tous son jambon cru, mais c'est aussi à Parme qu'est né le fameux parmesan. C'est aussi un haut lieu de la fabrication des pâtes. La marque Barilla y a son siège social. Dominique et Sophie ont rendez-vous juste à côté chez leur fabricant pour une dégustation. Là, c'est un premier jet, donc on va découvrir véritablement la recette. Il faut qu'on arrive à faire quelque chose effectivement qui soit bon, qui soit au prix, que nos consommateurs apprécient à la fois le goût et le prix. Mais avant la dégustation, Dominique et Sophie vont faire un tour du site de production. Buongiorno. Buongiorno. Ils achètent chaque année dans cette usine près d'1 200 000 paquets de pâtes fraîches. Alors, Mario, le responsable de la production, est dans ses petits souliers quand il fait visiter. C'est un gros client Oui, c'est le principal. C'est le principal Étranger. Sur la chaîne de production ce jour-là, l'une des recettes phares de la marque. On est en train de préparer le 4 fromages. Exacto. La Mezzaluna 4 fromages, c'est près de 150 000 barquettes produites ici chaque année. Interdiction de dévoiler la recette exacte, secret de fabrication. La proportion de chaque fromage détermine le goût, évidemment, mais aussi le prix de vente. Et la farce, c'est la moitié du coût total. Donc là, vous avez le fromage, voilà, le roi des fromages italiens. Parmi les 4 fromages, le parmesan. C'est l'un des plus chers du marché. Les professionnels l'achètent entre 10 et 13 euros du kilo. Alors dans la recette, il n'y en a que 4%. Par contre, ils ne vont pas lésiner sur un autre fromage, la ricotta. Sur 109 kilos de farce, ils vont en mettre plus de 70 kilos. À 4 euros le kilo, la ricotta est l'un des fromages les moins chers du marché, ce qui fait de cette recette l'une des plus rentables pour la marque. Mais Dominique préfère parler de goût plutôt que de marge. En termes de marge, je dirais, c'est difficile d'être aussi réducteur. C'est-à-dire, vous avez vu, on met du pecorino, on met du parmesan. Il faut trouver l'équilibre qui plaise aux consommateurs, qui soit bon. Et voilà, les ventes aujourd'hui nous donnent raison. On l'en vend, c'est dans le top 3, top 4 de nos ventes. Ajoutez un peu de mascarpone, 3% de pecorino, de la noix de muscade, du sel, du poivre et de la farine de riz pour absorber l'humidité. Et vous obtenez un Dominique aux anges. Vous la trouvez comment ? On dirait une crème glacée. Oui, c'est une crème. Du côté de la fabrication de la pâte, la marque mise sur un atout pour plaire aux consommateurs. Sa mise en forme, appelée tréfilage, se fait au travers d'un moule en bronze qui change radicalement sa texture. Ce moule-là, il amène la rugosité que l'on peut voir sur la pâte. La pâte est rugueuse. Et ça, effectivement, c'est un de nos secrets. Hein. Du coup, quand vous allez la voir dans l'assiette, vous allez mettre de la sauce dessus et cette sauce, elle va accrocher la pâte. Une méthode qui ralentit par deux le rythme de production et coûte donc plus cher. Ici, les machines produisent quand même plus de 400 kg de pâtes par heure. Elles sont ensuite pasteurisées pour allonger leur conservation. Dominique et Sophie achètent les barquettes à 1,50 € pour une revente autour de 3,50 € en supermarché. Une marge
qu'ils aimeraient bien obtenir également sur leur prochaine recette, celle qu'ils sont venus déguster. Mais rien ne va se passer comme prévu. Ça, c'est bien de la Coppa IGP. La recette du jour, c'est Giovanni Ronconi, le patron de l'usine, qui l'a supervisée. La base, c'est celle-là. Les principaux ingrédients, la scamorza fumée, le mascarpone et la fameuse Coppa d'appellation IGP. On a préféré augmenter la qualité en étant sur de la viande moins grasse pour une saveur plus intense. Dominique et Sophie aimeraient sortir la recette en 4 mois, si le test est concluant. Donc après, comme ça, au premier coup d'œil, je vais vous dire que ça manque de crémosité, mais je ne l'ai pas goûté. Mais ça, c'est mon premier ressenti. Toi, Sophie, c'est... Ouais, c'est un peu sec. En effet, la Coppa, elle est prédominante. Moi, je ne sens pas le fumé, par exemple. Cette première recette ne convient pas à Dominique et Sophie, qui ne cachent pas leur déception. Il y a trop de viande, ça manque d'onctuosité et de crémeux. Crémosité. Là, on va dire qu'on est loin du compte. Pour Giovanni, c'est la douche froide. Mais pas question de laisser l'un de ses plus gros clients sur sa faim. Alors le chef entre en action. Je peux en refaire. Je refais une farce et j'ajoute du mascarpone, ce qui amène un peu plus de crémeux. Ouais, fais seulement des mezzelune. En à peine quelques minutes, le chef va improviser une nouvelle recette pour tenter de faire changer d'avis ses clients. Alors là, on sent beaucoup plus le fumé. Sophie ? Moi, je ne le sens pas trop. Apparemment, la recette ne fera pas l'unanimité aujourd'hui. Et il y a encore un sujet délicat à aborder, le prix de production d'une barquette. Dominique et Sophie espèrent obtenir 1,60€, voire 1,50€. Mais dans son détail des coûts, Giovanni a écrit 1,85€, un prix qu'il ne va même pas oser annoncer. Alors j'ai dû rester dans une fourchette qui ne dépassait pas trop les 1,80€. 1,80€, déjà, je te le dis, c'est haut. 1,80€, déjà pour nous, c'est trop. Plus d'1,80€, cela ne convient pas du tout à Dominique. Mais pour envisager de baisser le prix, le fabricant n'a qu'une solution. Alors, si on veut maintenir cette qualité, et tout en baissant le prix, il va falloir envisager de grandes quantités. Disons qu'on pourrait prévoir une production de 100 000 barquettes par an. Dominique voit grand pour cette recette, car vendre 100 000 barquettes représenterait 25 000 euros de marge pour la société s'il obtient le prix qu'il demande à son fabricant. Tout le monde se reverra d'ici 2 mois, en espérant trouver une recette qui convienne à tous avant l'hiver. Les pâtes fraîches, les Français en sont tellement friands qu'on n'en trouve plus seulement en grande surface. Elles ont également envahi les étals de nos marchés. Et cela peut devenir un business qui rapporte. À Corvessa, dans l'Ain, Claire Boutelier en sait quelque chose. Il y a 5 ans, elle était assistante de direction. Quand elle a réalisé que fabriquer des pâtes fraîches pouvait rapporter de l'argent. Diplômée d'école hôtelière, elle a acheté d'occasion les machines pour moins de 15 000 euros. Et depuis, elle fait tout elle-même dans son laboratoire. La couleur est magnifique, j'adore. On dirait un soleil. En 2 jours, elle va fabriquer 40 kilos de pâtes fraîches, qu'elle vendra ensuite sur les marchés. Et tout faire à la main, c'est d'abord très physique. Et après, c'est les muscles. Claire ne rechigne pas à fabriquer ses pâtes, parfois pendant 7 heures d'affilée. Et elle n'hésitera pas non plus ensuite à faire payer le prix de son travail. La pâte lisse, la pâte non farcie, c'est 2 euros, à peu près 2 euros en prix de revient, pour une revente à 9 euros du kilo. 9 euros le kilo, c'est 2 fois le prix vendu en grande surface. Pour ses pâtes farcies, elle réalise des recettes de saison, selon ce qu'elle trouve au marché. Au menu du jour, truite fumée, fromage frais, jambon, citron et ciboulette. Voilà, ou encore chèvre, pesto maison. Et là encore, elle fait une jolie culbute.
Une recette comme ça, le chèvre et pesto, ça coûte 8,20 € du kilo à fabriquer. Et après, vous le revendez. Et après, je la revends 33 € du kilo. C'est une marge de x4. Voilà. Pour gagner de l'argent, Claire va surtout devoir vendre toute sa production rapidement. Car contrairement aux pâtes industrielles, ces pâtes fraîches ne sont pas pasteurisées. Là, il n'y a plus qu'à les mettre dans l'eau bouillante, prêts à cuisiner. Elles doivent être consommées en une semaine maximum. Le lendemain, dès 7h du matin, Claire se prépare à quelques heures cruciales. Bourg-en-Bresse, principale ville de l'Ain, est le marché le plus rentable pour elle. De ses ventes du jour dépendra une bonne partie de son chiffre d'affaires. En pâte farcie, en ravioli, on a à peu près une vingtaine de kilos. En pâte lisse, on va dire 8-10 kilos, quelque chose comme ça. Ça va partir? Ça va. Bah, on verra. Normalement, oui. Normalement, oui. Claire est confiante car elle connaît sa clientèle. Et très vite, son stand se remplit d'habitués. Elles sont délicieuses, les pâtes. Les raviolis, c'est un régal. Je suis là tous les samedis. C'est vrai. Votre carte de fidélité est pleine. Ma carte de fidélité est pleine. Bon. Pourtant, les pâtes de Claire ne sont pas données. Jusqu'à 3,70 € les 100 grammes, soit 37 € le kilo, c'est le prix d'une côte de bœuf. Là, ben, j'aime, alors je compte pas, là. J'aime, alors. Allez-y. Ici, beaucoup ne regardent pas à la dépense et reconnaissent la qualité. Merci beaucoup, merci. Très bonne journée, au revoir. Un petit mot sur les raviolis de Claire. Elles sont excellentes. Oh. Excellent. Excellent. C'est pas de l'industriel, ça. Combien j'en mets, du coup, pardon? À peine 2 heures après l'ouverture, certaines recettes viennent déjà à manquer. Ah bah là, on arrive au bout, elle a eu du succès, la truite fumée. Et vers 11h du matin, Claire s'apprête à remballer. Et la recette est bonne. Alors c'est un bon bilan, ça fait un total de 1057 €. J'ai dégagé à peu près 800 de marge, c'est ça. C'est ça, 790 € de marge. Voilà, c'est bien, c'est un bon marché. Dans les bons mois, Claire se verse plus de 3 000 € de salaire, la récompense de ses efforts. Mais ses concurrents sont-ils aussi vertueux? La fabrication des pâtes fraîches sur les marchés est-elle vraiment toujours artisanale? Nous allons interroger d'autres stands en région parisienne pour savoir s'ils produisent eux-mêmes leurs produits, comme Claire. En caméra discrète, nous essayons d'en savoir plus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains commerçants n'aiment pas les curieux. Madame, elles viennent d'où vos pâtes? J'ai pas vu d'aller manger. Les pâtes fraîches, j'ai jamais de problème, c'est avec 38 points de vente. Pour d'autres, aucune hésitation à avoir. Les pâtes semblent faites à la main. Des pâtes artisanales, ça? Ah, il y a un labo, je veux dire, quelque chose de partenaire à vous, ou... Ah, à vous? Ah oui, c'est vous qui les faites, alors. Nous interrogeons plusieurs stands, avec toujours le même discours. Qui est-ce qui les a fabriqués? Si, fabriqué 3 fibres pour cuisine. C'est vrai? Oui, pour sa maison. C'est pas fait dans ma maison, mais c'est fait maison. D'accord, c'est fait maison. Qui l'a fait, ça? Oui. C'est un cuistot qui l'a fait? Pourtant, ce ne sont ni un cuistot, ni des femmes dans une cuisine qui font les pâtes fraîches de ces 3 stands. Tous se fournissent chez le même grossiste semi-industriel de la région parisienne. Voici son catalogue. Il se proclame artisan de la pâte fraîche, mais produit en moyenne 1 tonne de pâtes chaque jour. Il propose près de 170 modèles de pâtes lisses ou farcies sur commande. Et elles peuvent être plus ou moins fraîches. Leur date limite de consommation varie de 7 à 21 jours si elles sont pasteurisées, comme en supermarché. On retrouve ces recettes sur les différents stands, mais pas au même prix. Par exemple, agnolotti aux légumes, vendu 15,54 € chez le grossiste, passe à 25,20 € sur le marché. Ici, les capelletti à l'arrabbiata, de 12,90 € à 25 € le kilo. Ou les mezzeluna chèvre-miel, de 12,59 € à 28 € le kilo. Un seul de ces commerçants va finir par avouer la provenance réelle de ces pâtes fraîches. Moi, mes colis sont livrés comme ça. C'est blague.
Donc c'est plutôt semi-industriel. Alors oui, la production est semi-industrielle parce que avec ça, c'est des machines, c'est pas la même. Oui, ouais. Mais après, il y a 40 personnes qui travaillent. Sinon, après, c'est trop de taf. Mais le temps, c'est de l'argent. Acheter chez un grossiste plutôt que fabriquer, c'est bon pour les affaires. Mais le consommateur s'y retrouve-t-il? La plupart des grossistes du marché n'ont pas voulu nous recevoir. Un seul a finalement joué la transparence, un petit nouveau qui se lance sur le marché. Il est situé au cœur de Rungis. Marco Marconi est le responsable de la production. Son patron importait des raisins d'Italie depuis 30 ans et il a flairé un marché porteur. Alors il a créé cette ligne de fabrication. Un investissement de 140 000 euros. Les machines ont été livrées il y a 2 mois. Pour l'instant, l'entreprise a encore peu de clients. Alors Marco prépare une recette rien que pour la caméra et sort le grand jeu. Au programme, des raviolis ricotta épinards. La moitié de la ricotta. Ouais. Tout à la main, des produits frais. Mais quand on produit à une échelle semi-industrielle, il y a certains ingrédients auxquels on ne peut échapper. Pour avoir une bonne texture, si la ricotte est un peu trop humide, on va ajouter des flocons de pommes de terre. Si on est obligé de mettre la farce dans un tramis de machine, eh bien, la farce doit avoir une texture un peu ferme, quoi, un peu pas trop moelleux et pas trop liquide. Les flocons de pommes de terre pour absorber l'humidité, indispensable pour que la pâte ne se casse pas dans la machine. Pour la pâte des raviolis, une semoule de blé dur de bonne qualité. Un moule en bronze pour le tréfilage, comme chez Tréo, et une machine au débit impressionnant. Si on ne s'arrête pas, la machine il va sortir 80 kg de pâte par heure sans s'arrêter. Pour faire des essais et pour voir la puissance de la machine, ben, on a fait sortir à peu près 350 kg de pâte dans une journée. Et c'est pas mal. Ici, certains clients demandent également d'allonger la date limite de consommation des pâtes qu'ils achètent. Alors Marco s'est équipé. Là, c'est un pasteurisateur. Ça veut dire qu'on peut pasteuriser les pâtes. Là, on arrive à avoir un mois et demi de conservation. D'accord. C'est quasiment comme dans les supermarchés, c'est un mois. Oui, ouais, c'est comme les pâtes que vous trouvez. Du coup, vous vous destinez aussi éventuellement à produire pour la grande distribution, éventuellement? Bon, éventuellement, oui. Si tout va bien, le grossiste prévoit un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros dans les 3 prochaines années. Le secteur des pâtes fraîches a encore de beaux jours devant lui. D'un côté, la purée de pommes de terre maison. J'épluche, je cuis, j'écrase, durée de préparation, 30 minutes minimum. De l'autre, j'ouvre le placard et je verse le sachet de flocons dans une casserole de lait chaud, durée 5 minutes. C'est avec cet argument que la purée mousseline s'invite dans nos assiettes depuis 60 ans. Mais les concurrents ripostent, à coups de purée fraîche ou surgelée avec toutes sortes de légumes. Alors comment la marque iconique résiste-t-elle à cette concurrence plus moderne? Capitale présente, tous à l'assaut de mousseline, la bataille de la purée express. Un reportage de Laura Haussmann et Victor Depoix. Pour un plat populaire, c'est une forme de consécration. Voir sa recette sublimée par un grand chef. Au sous-sol de cet immeuble des Champs-Élysées. Une burrata, un artichaut, on y va, s'il vous plaît. On réclamera la pêche du jour, le riz safrané. Éric Bouchenoir, meilleur ouvrier de France. Service, s'il vous plaît. Et l'acolyte de toujours de Joël Robuchon. Depuis le décès du chef aux 32 étoiles, c'est lui qui a repris les rênes de son restaurant, avec tous ses classiques. Comme la gelée de caviar à la crème de chou-fleur, 64 euros à la carte. Mais ce que les gens réclament, c'est un plat beaucoup plus simple. Avec deux purées, s'il vous plaît. La purée de pommes de terre. Ici, pour la servir, c'est tout un rituel. Elle accompagne la plupart des plats. S'ils veulent du supplément, souvent les gens nous réclament un supplément. C'est un plat à volonté et c'est ce qui a fait la réputation de Joël Robuchon à travers le monde. Une réputation, c'est Joël Robuchon, qui intimidait les candidats de Top Chef en 2018. Bonjour. Il leur demandait de cuisiner. C'est le plus important aujourd'hui, chef. Vous n'êtes pas gâté, hein? Bien sûr. Une pomme de terre. Pomme de terre, c'est le légume roi. Je lui dois ma renommée à partir d'une recette très simple. La fameuse purée de pommes de terre. Depuis 40 ans, elle attire des clients venus du monde entier, comme ces touristes albanais,
qui viennent à chaque passage à Paris. Même avec 30 degrés, on va venir ici goûter la purée de Joël de Robuchon. Sur le papier, cette recette n'a rien de bien compliqué. Éric Bouchenoir en prépare 10 kilos par jour. Il utilise des rates qu'il fait cuire une trentaine de minutes. On les porte à ébullition. Après la corvée de l'épluchage, il sort un outil essentiel. Le tamis ancestral de la grand-mère. Le secret, c'est un bon coup de main à toutes les étapes. Déjà pour presser la pulpe, puis pour la dessécher sur le feu. Là, on y va. Le soir, on ne va pas au gymnase club. Et il faut y ajouter un peu, beaucoup, énormément de beurre. Il n'y a jamais assez de beurre pour qu'elle soit bonne. Du lait entier, et le tour est joué. Bon allez, on y goûte, là, monsieur Moreno, là. Une purée lisse. Texture nickel. Onctueuse. Presque parfaite. Je rajouterai un peu de sel, non ? Mais qui a tout de même pris une heure à préparer. Beaucoup trop long pour les familles pressées de faire à manger au quotidien. Une contrainte qui fait les affaires de certains industriels. À commencer par la marque star de la purée en France, Mousseline. Vous connaissez tous ces petits flocons un peu magiques qui en quelques minutes se transforment en purée. Un produit très accessible, 20 centimes la portion et régressif. Star dans les années 90, cette purée a marqué des générations entières. C'est très pratique, très facile à faire. Donc je trouve ça plutôt pas mal comme purée. Je pense que ça vient des parents qui achetaient mousseline, donc ça, ça se perpétue. Inventée en 1963, c'est à l'époque une révolution culinaire. Dans la fameuse pub, avec son refrain. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Elle promettait aux femmes, représentées comme de parfaites mères au foyer, de se libérer de la corvée de préparation du dîner. Mais la référence française de la purée s'est fait doubler ces dernières années par ses concurrents. Que tout le monde en reprend. Les Français lui préfèrent les pâtes, mais aussi les purées surgelées ou fraîches, avec des légumes plus originaux. Quelles sont les recettes de ces nouveaux industriels pour réinventer la purée? Tu pourrais même proposer ça pour l'apéritif. Pourtant, la purée en flocons n'a pas dit son dernier mot. Des entrepreneurs français ont investi des millions pour relancer la marque. Comment compte-t-il conquérir les consommateurs en rayon? On met la purée! Cette année, la bataille de la purée... C'est bon, la purée. Bataille de purée! ...est relancée comme jamais. C'est à Rosières-en-Santerre, en Picardie, que l'on cultive la tradition de la purée en flocons. Dans ce village de 3000 habitants, ce jour-là, sur le terrain de foot municipal, en fanfare, deux stars internationales font leur entrée. Astérix et Obélix. Tu vois bien ? Ont été invités par Philippe Fardel. Fais une photo ? Le nouveau président de Mousseline. Voilà, regarde. Il vient de conclure un partenariat marketing avec le parc d'attractions pour relancer la marque. Le parc Astérix est dans les Hauts-de-France, hein, puisque c'est dans l'Oise, donc vraiment à côté de notre usine. Donc c'est aussi pour ça, on n'a pas été choisir un parc américain. Voilà, on est resté sur des personnages typiquement français. Allez, on y va. Allez, go, c'est parti. Et on fait le tour du but, hein. Car après 60 ans dans le giron du Suisse Nestlé, Mousseline est redevenue une marque française l'an dernier. Ses nouveaux propriétaires, FNB. Un fonds d'investissement qui s'est donné pour mission de développer des PME de l'agroalimentaire. Ils ont racheté une douzaine d'entreprises dans toute la France, des fabricants de compotes, de charcuterie, de purées, et tout récemment les cafés Le Gall. Leur objectif, générer du chiffre d'affaires et trouver un nouvel acquéreur pour les marques quelques années plus tard. Pour Mousseline, ils ont gardé les 150 salariés de l'usine, située juste à côté, et embauché 35 nouvelles recrues. Ce jour-là, ils fêtent les 60 ans de la marque. Alors, ça marque des points ? Pour motiver les troupes, ils ont prévu des jeux bien ciblés et un barbecue accompagné de la fameuse recette de purée. Et que ça va épaissir tout seul, ne vous inquiétez pas, je gère. Pour le nouveau patron, lui aussi ancien de Nestlé, c'est l'occasion de montrer qu'il compte bien redresser la barre.
à Rosières, on produit de la purée et on se bat pour que les Français continuent à manger de la purée. Et donc, vous allez défendre le village de Rosières et la recette de la purée mousseline. L'objectif de Philippe Fardel, écraser les concurrents. Et passer de 80 à 120 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 5 ans. Pour cela, il a besoin d'un ingrédient clé qui constitue 99% de sa recette, la pomme de terre. Elle pousse dans toute la région autour de la petite ville de Rosières. Ce jour-là, avec le directeur de l'usine, ils partent en mission séduction. Bonjour Alain. Bonjour Philippe. Aurélien Desrousseaux est l'un de leurs producteurs de pommes de terre. Depuis un an, avec la sécheresse, les récoltes sont mauvaises. La production chute, les prix augmentent. Bon, de la pluie ce week-end ? Ça, heureusement, c'était bien. Ça c'était bien. C'était la bonne nouvelle du week-end. C'était la première journée où... Oui, ça y est. Fait un temps à peu près correct pour que ça pousse. Un peu plus raisonnable. Les patates se font plus rares, elles sont donc plus convoitées. C'est tout l'enjeu de la visite. Chouchouter chaque paysan pour qu'il livre encore l'usine l'an prochain. Pour l'instant, voilà ce qu'il reste à Aurélien. Dans ce hangar réfrigéré, une variété bien spécifique. Là, c'est quoi comme variété ? Donc là, on est sur la variété Astérix. Il l'a fait pousser exclusivement pour les besoins de l'usine mousseline. Elles n'ont pas germé, elles sont bien. Philippe Fardel achète 100 000 tonnes de pommes de terre chaque année. Comme Aurélien, 130 agriculteurs de la région travaillent pour lui. Si cette montagne vous impressionne, pour l'industriel, ce n'est pas grand-chose. Ce qu'il y a pour mousseline, il y a à peu près 3 000 tonnes. Et ça vous tient combien de temps, du coup ? 6 jours. Voilà. Là, il y a 6 jours de production. On approvisionne pour 500 tonnes par jour. Pour acheter ces milliers de tonnes chaque année, le patron doit négocier des contrats chaque automne avec les agriculteurs. Pour mousseline, ils doivent produire, stocker et livrer à l'usine. L'entreprise leur assure en contrepartie de prendre toute leur production à un prix fixe. 160 euros la tonne cette année. Bien loin du prix du marché libre, en ce mois de juin, qui s'est envolé à 500 euros la tonne. Du jamais vu. Ça fait combien de temps que tu es en micro-irrigation ici ? Alors pour sécuriser leur approvisionnement, les deux patrons sont prêts à mettre les mains dans le cambouis, ou plutôt les pieds dans la boue, avec ces visites régulières que le géant Nestlé n'assurait plus. Il y avait des contacts, mais comme toute multinationale, le contact est plus compliqué, plus long, la réactivité moindre. Donc si, les relations étaient bonnes, mais étaient assez distantes. Et même si Aurélien est toujours officiellement en contrat avec Mousseline, la concurrence lui fait de l'œil. Il y a beaucoup d'usines, que ce soit en Haute-France, en Belgique ou en Hollande. Donc dans notre région, on est quand même plutôt gâté hein, par le sujet. Donc nos pommes de terre auraient trouvé preneur chez un autre industriel. La concurrence est rude. La concurrence, les fritiers, que ce soit des marques de frites comme Bakken, hein, qui eux transforment derrière, font des frites et aussi de la purée. Les chips, hein, Vico est à côté aussi. Donc il y a vraiment cette concentration industrielle sur le marché de la pomme de terre. Donc pour vous, il faut sécuriser les approches. Ah bah oui, ça fait partie de notre métier de sécuriser nos matières premières, ça c'est sûr. Hein. Dans quelques semaines, les deux industriels devront se remettre à la table des négociations. Depuis le temps que je me dis qu'il faut que je mette une paire de bottes dans la voiture, je vais le faire. Et même avec les prix qui ne cessent de grimper, Mousseline doit continuer d'alimenter son usine, très gourmande en pommes de terre. C'est derrière les murs de ce bâtiment de 6000 mètres carrés que depuis les années 60 se réalise le même tour de magie. Transformer des tonnes de patates en milliards de flocons qui vont redevenir de la purée à la maison. Chaque jour, une trentaine de remorques comme celle-ci viennent livrer la précieuse cargaison, indispensable à Mousseline. Une fois déposées, les pommes de terre vont retourner sous terre pour être nettoyées et transportées vers la chaîne de production. Elle est entièrement automatisée. Donc là, la pomme de terre arrive du service agricole. Cette machine-là, elle va brosser pour pouvoir retirer la pelure. Les tubercules vont maintenant subir toute une mise en beauté. Du bain de vapeur au gommage, en passant par une thalasso. Tout cela pour les préparer à passer à la casserole.
Elles vont arriver pour la cuisson. Donc on va les faire passer par différentes étapes de blanchiment, refroidissement et ensuite la cuisson. Le secret de Mousseline, ce sont ces tubes qui vont recevoir la mixture obtenue et l'étaler de façon homogène. Donc on se retrouve avec de la purée fraîche qu'on va venir étaler sur un cylindre qui va être autour de 100 degrés sur la surface extérieure et qui va permettre de déshydrater la pomme de terre. À ce stade, il n'y a encore que de la pomme de terre et la plupart des points noirs sont filtrés. On va y rajouter des antioxydants. Donc on va avoir de l'extrait de romarin pour la conservation du produit. Et puis on va rajouter un humidifiant d'origine végétale qui va faciliter l'encollage et puis la texture de la purée. Sans ça, ce serait possible ou pas? Sans ça, ça serait plus difficile à produire. En fin de recette, on y ajoute donc le E471. Un émulsifiant couramment utilisé dans l'industrie alimentaire, qualifié de peu recommandable par l'UFC Que Choisir, car il pourrait occasionner des troubles de l'intestin. La purée en flocons est considérée comme un aliment ultra transformé. 3 heures après leur arrivée, voici à quoi ressemblent les pommes de terre, une fine feuille, sans la moindre goutte d'eau. Dès que la purée est en contact du cylindre, ça fait la feuille. Une feuille qui est broyée pour obtenir les fameux flocons qu'il suffira de réhydrater. 100 tonnes de flocons sortent de l'usine chaque jour à partir de 500 tonnes de pommes de terre. Une technologie très astucieuse qui a fait les beaux jours de la marque depuis ses débuts en 1963. En France, mais aussi dans toute l'Europe. Alors, ça c'est un produit qui est à destination de l'Espagne. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ça porte encore le nom de Magie. La marque Magie est la propriété de Nestlé. Donc d'ici l'année prochaine, on remplacera ce logo-là par le logo Mousseline. Vend bien en Espagne la purée? Oui, oui. On est leader sur le marché espagnol. Que ce soit avec El Purée Original en Espagne, la purée de batata au Portugal ou encore la Kartoffel purée allemande, ce qui a fait le succès de la marque, c'est sa recette classique. Mais aujourd'hui, elle aurait bien besoin d'un nouveau coup de fouet. En 10 ans, les ventes ont chuté de 15%. Nestlé, son propriétaire, l'avait un peu délaissé au milieu de la cinquantaine de marques que le groupe gérait. Côté communication, on se contentait de recycler les mêmes thèmes. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde est content. Normalement, la seule publicité dont vous vous souvenez, c'est celle-ci, toujours avec cette chanson qui reste en tête. Elle date de 2010. Côté innovation, il y a bien eu quelques lancements de nouvelles recettes. Mais qui se rappelle des galettes ou des cakes de la marque? Ils se sont même déjà essayés aux produits gourmands. Des produits type façon aligot, saveur à l'ancienne. Là, on est sur des produits qui datent du début des années 2010, hein, 2011, 2012, 2013. Mais ils ont rapidement disparu de la circulation. Pour le nouveau patron, c'est le manque d'investissement de l'ancien propriétaire qui est en cause. Alors la dernière qu'on avait encore dans le portefeuille il y a quelques mois, c'est Potiron. Ce dont on s'aperçoit, c'est quand on ne fait pas connaître et qu'on ne soutient pas les innovations, il n'y a pas de demande. Vous savez combien ils mettaient versus combien vous seriez prêt à mettre, vous? Ah bah eux, ils ne mettaient rien. Je suis un peu raide, mais ils ne mettaient rien. Depuis 3 ans et demi, 4 ans, 4 ans maintenant, facilement, il n'y a pas eu de publicité faite et de budget consacré à la marque Mousseline. Alors aujourd'hui, ils ont décidé d'y consacrer un sacré budget, 3 millions d'euros. Et ça commence par de nouvelles recettes. Cette fois-ci, il s'agit de ne pas se louper. Donc on va commencer par déguster cette recette. Ce jour-là, dans le laboratoire de l'usine, l'équipe de direction valide une nouvelle recette. Comme la cuisine régionale fait vendre, c'est une purée au goût de gratin dauphinois. C'est la troisième fois qu'elle passe le test. Pour une dauphinoise, qu'est-ce qu'on recherche? Un bon goût de pomme de terre, une note d'ail et une légère note de noix de muscade. Pour ce nouvel essai, les équipes de développement ont préparé 3 échantillons. La purée A, plus salée, la purée B avec plus d'ail, et enfin la purée C, avec une texture façon écrasée de pommes de terre. Et pour moi, celle-ci est différente en texture. Ouais.
Une nouvelle texture et un goût plus affirmé. C'est a priori idéal pour se démarquer en rayon. Mais pas pour ces fabricants de purée, qui cherchent surtout à plaire à un public très particulier. L'idée étant de quand même faire plaisir au plus grand nombre. Et là, nous, ce qu'on va chercher, il y aura peut-être des choses où je serais curieux de voir la vie de chacun. Mais par exemple, moi, sans dire laquelle, il y avait des moments où je me dis, ok, là je reconnais vraiment, mais c'est très très fort. Je doute que par exemple un enfant pourrait aimer ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'échantillon A? Plus salé. C'est meilleur du coup. Ouais. Alors la grande gagnante est la purée simplement plus salée. On est d'accord là? Oui, j'ai l'impression que sur la main, il y a un processus. Très bien. La dauphinoise devrait sortir début 2024. Cette opération de relance se joue aussi sur le terrain, comme à Péronne dans la Somme. Élise Lamaille est l'une des nouvelles recrues de la marque. Elle est responsable commerciale. Comme elle, ils sont 14 à sillonner les routes de France. Leur cible, les grandes surfaces. Bonjour, Élise Lamaille, Société Mousseline. D'accord. Ce jour-là, elle veut convaincre Fabien, le chef de rayon de cet hypermarché, d'accepter une opération promo pour mettre la marque en avant. Pour l'instant, la purée mousseline est reléguée au fond du rayon riz et pâtes. Donc voilà notre rayon. Super. Oui. Je vais juste prendre mon ordinateur pour vous montrer. Donc pour fêter ses 60 ans, Mousseline s'est associée à Astérix. Et donc, moi, ce que je voulais vous proposer par rapport à ça, c'était de faire une mise en avant en magasin. Et puis, on aura une théâtralisation avec une arche pour bien indiquer, en fait, la promo et la mise en avant. Elle s'engage à offrir moins 60% sur le deuxième paquet aux clients du supermarché. Et l'autre argument, c'est que le chef de rayon n'aura rien à faire. Et derrière, nous, on pourra en fait venir vous installer directement les box en magasin la veille de l'opération. On pourrait peut-être garder l'endroit, le lieu pour vraiment mettre en avant les produits. Oui, si vous voulez. Convaincu, Fabien l'emmène vers l'allée centrale du magasin, mais pas dans la partie la plus convoitée par les marques. Là, une zone qui est vraiment intéressante, ce client passe soit à droite, soit à gauche, mais tombe automatiquement sur les produits. Du coup, j'aimerais vraiment jouer l'opération ici avec une arche. Elle devra se contenter d'une seconde zone de promo, moins vendeuse que l'entrée du magasin. Idéalement, c'est vrai que quand on peut être en entrée directement de magasin, c'est intéressant, mais j'ai quand même un très bon emplacement au croisement de l'allée centrale et de l'allée pénétrante. Je pense que la deuxième zone est vraiment plus intéressante à la période, étant donné que la première zone sera pour les chocolats. Vous êtes fait griller la priorité par les chocolats. Ouais. écoutez, je vous remercie de m'avoir accordé du temps. Merci à vous. En une semaine, la marque espère vendre près d'1 million de paquets de purée en multipliant ses opérations dans les magasins. Pour ne pas se laisser distancer par la concurrence. Comme à Noisy-le-Grand, en région parisienne. Dans cet hypermarché, le rayon purée en flocons n'occupe plus qu'une toute petite partie du rayon épicerie sèche. Pour y attirer des clients... Il est bien rempli ton rayon, Daryl, c'est bien. Le directeur Bruno Bauduin référence toute la gamme de l'incontournable marque nationale. Mais il a aussi sa marque distributeur, quelques centimes moins cher, et même des flocons plus originaux, comme cet Aligo. Et quand vous voyez cette marque, que ce soit de la purée auvergnate ou d'Aligo, clairement, ces petites marques qui sont des niches pour des PME, qui permettent à des PME territoriales de se lancer sur ce rayon qui était un petit peu vieillissant, qui ne se renouvelait pas. Et bien voilà, ça j'adore ce type de référence. Voilà. Quand il s'agit d'acheter de la purée, les clients se tournent aussi vers l'ultra frais. Parfois des écrasés de pommes de terre. J'ai acheté écrasés de carottes et pommes de terre. Pour moi, c'était une meilleure qualité et c'est pas du reconstitué comme la mousseline. Des concurrents qui proposent des purées avec toutes sortes de légumes et qui font valoir le 100% naturel sans additifs. Comptez quand même 7,43€ le kilo pour une classique purée de pommes de terre. Mais dans la bataille en rayon, où est-ce que tu as tous les parmentiers et purées? Il y en a un qui s'est considérablement agrandi ces dernières années. Il y a plus de choix, il y a plus de variété en termes de légumes aussi. Parce qu'on est sur de la purée. Vous avez forcément la purée de pommes de terre. Vous voyez?
on a toujours eu ce genre de produit. Mais par contre, les recettes qui changent, comme les légumes oubliés, comme la carotte, les mélanges carotte-courgette, voilà, ça élargit un petit peu la consommation à autre chose que de la pomme de terre. Ces produits qui sont aussi très pratiques quand on n'a pas le temps de cuisiner font les affaires de ce directeur de supermarché. Bien, donc sur ce marché des purées surgelées, c'est un marché qui pèse à peu près 30% de plus que le marché des purées en flocons. On vend à peu près 6500 boîtes de flocons, on vend à peu près 9000 de boîtes, paquets de surgelés. En plus, il reste accessible entre 2,47€ et 4,44€ le kilo et ressemblerait à s'y méprendre à du fait maison. Alors que vaut la qualité des purées et autres écrasés de pommes de terre surgelées? Quel est le secret des fabricants pour innover sur ce marché? Alors que vaut la qualité des purées et autres écrasés de pommes de terre surgelées? Quel est le secret des fabricants pour innover sur ce marché? À Saint-Viance en Corrèze, si la spécialité locale c'est plutôt le champignon, dans cette usine, on s'est aussi mis à la pomme de terre. Le patron, François Duquesne, Karine, on va peut-être descendre en usine, est un spécialiste des légumes surgelés. Son entreprise Gelpass en produit depuis près de 30 ans. En tant qu'expert du surgelé, ça vous fait pas peur le froid? Pas du tout. Ça conserve. Dans cette usine ultra moderne, ils peuvent produire 1500 tonnes de purée par an. Leurs clients, ce sont les supermarchés et les spécialistes du surgelé qui leur confient la production de leur marque distributeur, les fameuses MDD. Il y a deux contraintes, celle du prix et celle de l'originalité. En ce moment, François leur propose donc un écrasé de pommes de terre, un peu plus élégant que la purée. L'ingrédient principal est toujours le même. C'est ça qui a été reçu vendredi. C'est ça. Mais ici, les pommes de terre ne sont pas en robe des champs. Elles sont prédécoupées et blanchies, un gain de temps, mais qui coûte cher en matière première. En ce moment, c'est ça. C'est un peu plus d'un euro du kilo. Soit 1000 euros la tonne de pommes de terre. Alors pour satisfaire la grande distribution, François doit jouer sur les quantités des autres ingrédients coûteux de la recette. La crème et le beurre. Certains clients qui voudront des recettes plus gourmandes, donc on va rajouter du beurre, de la crème, donc ça coûte plus cher, bien plus cher que la pomme de terre. Et certains veulent du prix, donc on va être essentiellement sur un pourcentage plus important en pomme de terre. Ici, par contre, aucun additif. Une fois mélangé et cuit, l'écrasé de pommes de terre passe dans cette machine. C'est l'étape essentielle. On va envoyer la purée et on fait des dés de 20 grammes. Ici, ils sont à moins 2, qu'on va transférer sur ce tunnel de surgelation. Après 3 minutes dans ce tunnel à moins 110 degrés. Donc là, il arrive à moins 18. Ces produits, si pratiques, représentent 6 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'entreprise corrézienne. Mais sur le marché de la purée, avec une PME, il faut constamment se réinventer. Cette année, ils ont élaboré 8 recettes qui peuvent coûter jusqu'à 6 euros l'étui. Ah. Bonjour, vous avez failli attendre. Ce jour-là, Marc, le directeur du développement depuis 10 ans, présente à tous les dirigeants les nouveautés pour 2024. Là, vous avez un écrasé girolle. Et là, vous avez un écrasé noisette. On va vous ramener le reste. On sent bien la girolle. Mais ce qu'ils attendaient tous, c'est cette innovation. Bon allez, François, chose promise, chose due. Voilà, notre tour Eiffel. Ouais. Livré sans drapeau, par contre. C'est un projet initié en 2019. Donc vous voyez, on est en 2023, ça fait 4 ans aujourd'hui. Donc on est parti d'une idée toute bête, c'est-à-dire que François, donc mon PDG, me dit « Tiens, ce serait sympa de faire une tour Eiffel. » Il n'a pas eu de chance, j'avais déjà eu l'idée. Toute la difficulté, c'était de trouver comment faire tenir une purée dans une forme de tour Eiffel. Reste l'épreuve du goût à passer. Okay, cette merveille. Je vais prendre le pied. Hein. Validé par le grand patron. C'est vendu. C'est vendu. Hein? Maintenant, il faut juste qu'on... Les camions arrivent. Marc à la patate. Ouais, c'est parfait, non? Ah oui, non, que dire de plus? Ces tours Eiffel seront prêtes à temps pour être vendues pendant les Jeux Olympiques. Ils espèrent les vendre en France, mais aussi à l'étranger. S'il y a une bataille commerciale sur ce produit entre flocons et surgelés, certains consommateurs, comme à Sainte-Hélène, près de Bordeaux, ne jurent eux que par le fait maison. Maëlys Henriot. C'est bon? C'est pas trop lourd?
mère de famille, a arrêté d'acheter du tout prêt il y a 5 ans. D'habitude, pour sa purée, 3 ingrédients suffisent. Des pommes de terre, du lait et du beurre. Pour nous, elle a accepté de tester également la marque Leader en flocons et une purée surgelée pour le repas de ce midi. Avec 3 critères, le prix, le temps de préparation. On mélange toujours 350 ml d'eau et 400 ml de lait. Et le goût. Pour le temps de préparation, sans surprise le plus long, ça reste la purée maison. On va mettre un couvercle pour faire les économies d'énergie. C'est surtout le temps de cuire les pommes de terre, de les éplucher et de les passer au moulin. Crap. Même si ici c'est aussi un jeu, pour Aaron, 5 ans. Hop. Alors, viens. On va le faire ensemble au début pour commencer, parce que c'est un petit peu dur. Là, je tiens. Allez, touille. 30 minutes plus tard, elle est prête. Passons à la purée surgelée. Pour 4 personnes, ils annoncent 15 minutes à la casserole. La moitié du temps par rapport à une purée maison. Ok. Enfin, la mousseline. Elle est prête en 3 secondes. Et 5 minutes de cuisson. Et c'est parti. Mais la championne de la rapidité est-elle si bon marché? Maëlys a fait les comptes. Pour obtenir à chaque fois 1 kg de purée. Donc ça fait un total. Comptez 1,87€ pour la purée maison, 2,86€ pour la surgelée. Celle qui est imbattable, c'est encore une fois la purée en flocons. 1€. 1 kg. C'est pas cher du tout. Maintenant, après, gustativement, il faut voir ce que ça donne. Et bandeau sur les yeux. Notre jury est impartial et impitoyable. Chloé, 15 ans. Allez. Et son petit frère. Donc. Première purée, celle en flocons. Tiens, goûte. Est-ce qu'elle est bonne? Non, d'accord. Deuxième essai. Celle-ci, est-ce qu'elle est bonne? Avec la surgelée. Oui. Et enfin, la purée qu'il a lui-même préparée. Non. Victoire pour la surgelée, pour Aaron. Okay. Ah. La troisième. Chloé, elle n'a pas de doute, c'est la purée maison qui l'emporte. Regoute, voir laquelle tu préfères. Parce que je trouvais que la texture, elle était meilleure et je trouvais qu'on sentait plus le beurre. Contrat rempli pour nos purées express, difficile à battre sur le temps de préparation et le prix. Pour le goût, comme toujours, cela reste très subjectif. C'est une bataille qui oppose deux stars d'Hollywood. D'un côté, George Clooney, égérie d'une célèbre marque de machines à café à capsules. De l'autre, Brad Pitt, choisi pour représenter un concurrent qui mise sur une nouvelle technologie, les machines à café en grains. D'un simple appui sur un bouton, elles vous sortent en quelques secondes un café fraîchement moulu, comme au bistrot. Les machines à grains vont-elles détrôner celles à capsules? Capital présente machine à café. Qui gagnera la bataille de l'Expresso? C'est un reportage de Laura Capaille et Séverine Maublanc. Parmi les 7 Français sur 10 qui boivent du café tous les jours, certains ne plaisantent pas avec ce rituel. Près de Roanne, dans la Loire, quand Alexandre et sa compagne Justine invitent leurs amis à déjeuner. Eh ben, on passe aux choses sérieuses, un petit café. Allez, ben volontiers. Il est ravi quand le repas se termine. 1, 2, 3. Ben moi, je vais en prendre 2. Allez, vendu. Cet assistant médical s'est installé un coin café au beau milieu du salon. Là, c'est mon fief du café. Il a déboursé près de 4 000 € pour s'offrir toute une collection de moulins et autres machines anciennes. Sur son étagère, un large choix de grains venus du monde entier qu'il choisit chaque semaine chez son torréfacteur. On va vous faire voyager un petit peu. J'ai du République dominicaine, du Mexique, du Pérou. De quoi épater ses amis. On va goûter le Colombie. Lui, pour le coup, beaucoup plus fruité, vous allez voir. D'accord. Un peu plus acidulé. Celui-ci, personnellement, je l'adore. Pour extraire le nectar de ses fèves venues de loin, voici sa dernière folie à 600 €. C'est mon petit bébé. Une machine automatique qui moue seulement ce qu'il faut, à la minute. Et ça fait toute la différence. L'avantage du café fraîchement moulu, c'est que le premier quart d'heure qui suit la mouture, il a perdu 60% de ses arômes. Hop, et voilà. En 30 secondes, le grain est moulu, l'expresso est prêt, comme au bistrot. On ne peut pas rater un café. Hop. C'est top de top, j'ai mon café de bar à la maison. Pour le coup, tu vas voir, c'est juste terrible. Hein.
Bien. À l'écouter, pour rien au monde, il ne reviendrait à la capsule. Vous roulez dans une belle voiture, vous repassez en Clio, c'est bien, hein. Bien sûr, le but, c'est de se déplacer. On est d'accord. Mais le confort, le trajet est beaucoup plus long. Mais il y en a une qui fait de la résistance. Qui veut un Senseo ? Justine, elle, reste fidèle à sa machine à dosette. Je le fais un peu en cachette, comme ça, ça passe. Non, en fait, c'est vraiment l'habitude. J'ai toujours fait le matin, je fais 50 choses à la fois. Du coup, bah, je lance ma machine, je peux aller faire autre chose et je reviens, c'est prêt et voilà. Entre machine à capsule et machine à broyer le grain, désormais, les cafés de quand s'affrontent. Allez, santé à tous. Pendant longtemps, pour préparer un bon café, il fallait se lever tôt. Depuis les années 30, les puristes utilisent une cafetière italienne traditionnelle. Mais il faut la remplir d'eau, de café fraîchement moulu, la mettre à bouillir. Ça prend du temps. En tout, comptez 10 bonnes minutes pour une tasse. Dans les années 60, les industriels inventent la cafetière filtre électrique. Censée nous faciliter la vie, elle est deux fois plus rapide. Mais le goût de l'expresso n'y est pas vraiment. 30 ans plus tard, et avec l'aide d'une star d'Hollywood, la machine à dosette révolutionne le marché. Une capsule, et quelques secondes plus tard, un expresso bien crémeux. Merci. Aujourd'hui, la machine à grains fraîchement moulu compte bien la détrôner. C'est aussi rapide, mais l'expresso serait encore meilleur. Une fois qu'on a ça, on ne peut pas revenir en arrière, c'est foutu quoi. C'est tellement bon. Ces expresso broyeurs ont envahi les rayons avec des prix parfois fort de café. C'est très cher là, la machine elle est effectivement pas donnée du tout. 1,5 million de familles ont pourtant déjà craqué, car elles ont fait leur compte. En l'espace de 12, 18, 24 mois, l'achat de la machine est rentabilisé par l'économie qui est faite sur le café. Alors les écarts de prix sont-ils toujours justifiés? Nous avons fait le test. Petit côté cacao, le chocolat. C'est le meilleur de ça. C'est le meilleur des trois, oui. Enquête sur la nouvelle bataille de l'expresso. Partout en France, comme à Nice, les magasins d'électroménager sont les premiers à profiter de cet engouement. Ces nouvelles machines, on ne peut pas les rater. Dès l'entrée du magasin, on attaque tout de suite par le rayon café. On avait auparavant les caisses, ici, qu'on a supprimées. On avait besoin de gagner de la place. Hervé Ollien, directeur commercial du Baldi, a presque dû pousser les murs, car son catalogue est passé de 7 à 70 références ces dernières années. À l'intérieur du petit électroménager, le marché du café, c'est pas loin du tiers de notre chiffre d'affaires. Les ventes d'expresso broyeurs ont augmenté de 70% en un an, et ce n'est pas pour lui déplaire. Nous, en termes de chiffre d'affaires, on passe de machines qu'on vendait historiquement à moins de 100 euros, 70, 80 euros, à des machines qu'on vend aujourd'hui à 400, 500, 600 ou 800 euros. Évidemment, pour nous, c'est plus intéressant. Leur premier prix est à 365 euros et il grimpe jusqu'à 2800 euros. Vous allez comprendre pourquoi les vendeurs essayent souvent de vous faire acheter les modèles les plus sophistiqués. Alors, nous, on est commissionné sur la marge du produit. Donc, pour une machine entre 500 et 600 euros, je vais prendre entre 4 à 5 euros. Et pour une machine à capsule type Nespresso, je vais prendre 1 euro à peu près, 1,50 euro. Une pratique courante dans la plupart des magasins d'électroménager. Ici, les meilleurs vendeurs comme Jérémy arrivent quasiment à tripler leur salaire grâce aux primes. Donc on peut regarder ma commission par exemple, la partie variable. Combien ? On est à 2401 euros brut. Au total, lui empoche environ 3000 euros net par mois. De quoi être particulièrement motivé. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider peut-être? Oui, regardez un petit peu les machines à café. Full automatique du coup. Ouais. Je vais vous la montrer, c'est la nouvelle gamme 2023. Pierre et Mathieu, tous deux gros consommateurs de café, arrivent avec un budget plutôt serré. Ici en deux tasses. On s'est dit dans l'idée à la base 300 euros. On s'était déjà dit que c'était quand même pas mal. En général, en prix de départ, voilà, on va être plutôt proche des... Alors par exemple, j'en ai une à 365 euros en face de moi. Ouais. Mais cet expresso broyeur d'entrée de gamme, il leur propose sans grande conviction. Recettes. On va avoir quand même un petit choix de café et de boisson, avec un petit réglage d'intensité aussi, qui est assez basique, ouais. Mais qui a le mérite d'être là. En bon vendeur, il va les amener en douceur vers un modèle plus perfectionné et bien sûr, plus cher.
Donc là, on va avoir quand même une légère montée en gamme sur déjà le design. On va avoir un écran pour accéder au paramétrage et au réglage. D'accord. Donc on va avoir quelque chose d'un peu plus quali quand même. Mais forcément un petit peu plus cher. Là, on a 459 au lieu de 629 euros pour un modèle d'expo. Ça, c'est nous qui ne sommes pas en phase, en fait, finalement, avec le prix des machines à café. Hein. Il faut dire que par rapport à une machine à dosette, à moins de 100 euros, la pilule est difficile à avaler. Ça vient de café, mais peut-être pas à ce point. Ouais. Pour les convaincre, le vendeur va maintenant abattre sa meilleure carte, le budget capsule. 50 euros par mois pour ses clients. Combien de dosettes à peu près pour 50 euros ? Une centaine ? Par jour, on en était à 3-4. Donc c'est ça. 3-4 chacun ? Ouais, 3-4 chacun. Donc du coup, effectivement, ça va vite. Hein. Mine de rien, ça va très vite. Hein. Là, pour 1 kg de café en grain, ouais, qui est en moyenne à 20 euros, vous faites à peu près entre 100 et 120 cafés. Donc, vous voyez, pour 30 euros de moins par mois, faites sur 10 mois, ouais, c'est 300. Ouais, c'est effectivement vite rentabilisé. Nous avons fait le calcul. Démonstration. Une capsule coûte dans les 40 centimes d'euros. À raison de 4 tasses par jour, cela représente 580 euros de budget dosette annuel. Pour le même nombre de tasses, un café en grain standard revient beaucoup moins cher. Comptez 15 centimes d'euros le café, soit 220 euros par an. Au bout du compte, l'économie annuelle s'élève à 360 euros. Là, c'est le regard de qu'est-ce qu'on fait. C'est bête, hein, mais même si on s'est fixé un certain budget, on se dit, ok, bon, si on rajoute un petit peu... On peut avoir ça en plus. Pourquoi pas, etc. Enfin, pour moi, en tout cas, l'écran tactile, le fait que ce soit personnalisé... Pour moi, c'est vraiment le mousseur de lait, parce que c'est vrai que j'aime bien vraiment les cafés latés avec de la mousse de lait. Ouais, lui, ouais, le tol mousseur de lait, ouais, effectivement. Et ouais, et donc why not? Une fois ferré, le client passe souvent à l'acte. Ils s'offriront leur expresso broyeur à 400 euros un mois plus tard. Parmi la quinzaine de fabricants qui se partagent le gâteau, celui qui se taille la part du lion avec plus de 60% de part de marché en Europe est italien. Il faut dire qu'au pays de la Dolce Vita, comme à Trévise, l'expresso est presque une religion. Chaque café a son barista aux commandes d'une machine au prix souvent faramineux. Celle de Maurizio vaut 7000 euros. Je fais comme ça, je presse, je visse, et voilà. Réalisé dans les règles de l'art, un expresso répond à des critères précis. La crème au-dessus doit faire autour d'un demi centimètre. Et là, il est top. Nous, on l'aime bien serré, bien concentré. C'est meilleur comme ça. S'il est trop dilué, en fait, c'est de l'eau. Ça recharge nos batteries. La petite mousse au-dessus, ça veut dire qu'il est parfait. Cette passion des Italiens pour le café a fait la fortune d'une famille d'ingénieurs de la région. Leur nom est devenu une marque bien connue, De Longhi. À sa tête, Giuseppe De Longhi, 84 ans et toujours aux commandes. Grâce à ce radiateur à huile et à cette friteuse électrique, il est devenu le roi de l'électroménager dans les années 70. Son invention, c'est d'avoir conçu ce panier rotatif incliné qui permet d'économiser de l'huile. Des bijoux de technologie pour l'époque. Pourtant, les ventes stagnent. Tout le monde ne mange pas des frites tous les jours et pas dès le réveil le matin. L'objectif de M. De Longhi était de trouver des machines à usage quotidien. Et voilà, avec son look vintage, l'appareil qui l'a rendu milliardaire. La toute première machine à expresso. Elle date de 1984. C'est la première pierre de l'empire De Longhi dans le café. On en a vendu énormément. 20 ans plus tard, les De Longhi sont aussi les premiers à avoir l'idée d'intégrer un broyeur à grains dans leur machine. Et depuis, ils ne cessent de les perfectionner. Option cappuccino mousseux ou réglage personnalisable pour chaque membre de la famille. À la tête du marketing, Zeno Adami et Paolo Negri. Ciao, 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 ciao. Un petit café ? Un caffettino. Ils affichent clairement leur objectif. On réussit à augmenter le ticket moyen du consommateur en donnant toujours plus de valeur au produit. Oui, il va dépenser plus pour sa machine, mais elle va être capable de lui faire une infinité de sortes de café. Celle-ci, elle peut en faire 50 différents. Avec 8 millions d'expresso broyeurs vendus chaque année, la marque inonde le marché.
À quelques kilomètres, leur usine de 60 000 mètres carrés fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est l'une des deux que possède De'Longhi en Europe. Actuellement, on produit 15 000 machines par jour au total, dont 4 000 ici, uniquement le milieu et le haut de gamme. Quant à nos machines entrée de gamme, elles sont fabriquées en Roumanie. Ici, comme en Roumanie, ce sont des robots qui font les trois quarts du travail. Ici, on a tout automatisé. C'est notre dernier investissement. On n'a plus que deux opérateurs au lieu de 11 avant. Les tâches les plus minutieuses, comme l'assemblage de la cinquantaine de composants électroniques, sont filmées par des caméras. Avec leur laser rouge, ce sont les yeux du robot. Ça nous permet de réduire le coût de la main-d'œuvre et surtout d'avoir une meilleure qualité de produit. Parce que les pannes représentent un coût pour l'entreprise, que ce soit ici à l'usine ou après la mise sur le marché. Il vous a coûté combien ce robot ? Entre 50 et 70 000 euros chacun. Reste l'étape qui, elle, nécessite toujours plus de 500 employés, payés entre 1100 et 1600 euros net selon leur ancienneté. Ils n'ont qu'à suivre les instructions données par ces écrans. Chaque ouvrier a une à deux minutes pour finir sa tâche. Quand le temps est écoulé, le tapis avance pour permettre à l'ouvrier suivant de poursuivre le montage. Il faut 45 minutes seulement pour assembler un expresso broyeur, plus 7 minutes de test complet avant la mise sur le marché. La machine s'allume et fait couler un café, un cappuccino, etc., etc. Mais on n'utilise que de l'eau. Pas de café ni de lait, sinon ça salirait les machines. Une soixantaine sont recalées chaque jour. Elles seront réparées. Les 3900 autres sont directement mises en carton pour être expédiées dans 120 pays à travers le monde. Car pour conquérir la planète face à la machine à dosettes, incarnée par George Clooney, la marque italienne s'est offert une autre star internationale, Brad Pitt. Dans leur spot de pub, lui ne prononce même pas un mot. Trop cher sans doute. Nespresso l'avait fait avec Clooney, De'Longhi l'a fait avec Brad Pitt, car il incarne le cool. On a réalisé une étude en mars 2023 et on a clairement vu la différence de notoriété de la marque avant et après la campagne. Figurez-vous que 98% des gens dans le monde savent qui est Brad Pitt. La seule personne qui a plus de notoriété, c'est notre pape François. Qui sera d'ailleurs notre prochain ambassadeur. Exactement. Et combien ça vous a coûté d'avoir Brad Pitt ? Non, je ne vous le dirai pas, je suis désolé. D'après nos informations, le cachet d'une égérie renommée se situe entre 3 et 5 millions d'euros par an. Au total, avec les tournages et les achats d'espaces publicitaires, Mario Cenci, chef de la stratégie, a dû revoir son budget communication sérieusement à la hausse. En 2019, on investissait de mémoire 250 millions en publicité. L'an dernier, on a dépassé les 400 millions. Les Italiens ne se refusent rien pour rester leaders. Il faut dire que face à eux, de nouveaux concurrents sont bien décidés à s'imposer. Particulièrement sur leur troisième plus gros marché, la France. Ce jour-là, à Paris, dans le quartier du Marais, un duel façon David contre Goliath s'annonce au Paris Café Festival. On déconne pas, les gars. L'équipe De'Longhi est venue en force. Car durant trois jours, des milliers d'acheteurs potentiels vont arpenter ces allées. Ils ont payé 12 euros l'entrée pour goûter les meilleurs crus et surtout s'équiper. 120 exposants sont présents. Le géant italien a déboursé 30 000 euros pour aligner ses plus belles machines et ses meilleurs vendeurs. Là, on est à 899 et là, on est à 1599. Face à eux, un Normand, Romain Molavé. Le monde. Ancien chef de produit dans l'électroménager. Aujourd'hui, ils ont vendu à peu près 7 000 places en pré-vente. Et donc, on s'attend vraiment beaucoup. Excellent. Il a été embauché par une marque australienne, Sage, qui, après les États-Unis, l'Allemagne et l'Angleterre, veut conquérir le marché français. Le tablier du barista. Il a à peine eu le temps de sécher de la foire de Paris.
Lui n'a investi que 2000 euros pour ce stand partagé avec un ami torréfacteur. Tu as des tasses, ouais. Sa cible. Bonjour. Bonjour. Ceux qui, comme ce jeune couple, sont prêts à abandonner la dosette pour passer au grain. Pour avoir déjà la provenance, on sait exactement ce qu'on consomme. Dans les capsules, on ne sait pas forcément ce qu'il y a. Et aussi d'un point de vue écologique, de ne pas avoir la perte des capsules, c'est un peu mieux. Marie et Romain sont à la recherche d'un expresso broyeur et vont vite tomber en arrêt devant le stand du leader italien. Car Delonghi a recruté ce champion de France barista pour faire le show. Et ils ont aussi affûté leur argumentaire écolo. Vous voyez là, c'est le marc de café. C'est de l'engrais naturel. C'est de l'anti-odeur. Ça débouche les canalisations. Mélangé avec de l'eau, c'est du gommage. À côté du mastodonte, Romain et sa marque inconnue au bataillon. Bonjour. Un petit espresso ? Allez. Partent clairement avec un handicap. Je ne connais pas du tout ça, en fait. Une jeune marque australienne qui a fêté ses 90 ans en novembre dernier et qui vient d'arriver en France. Donc là, la machine a trouvé la bonne dose. Mmh. Elle a tracé de manière assistée. On est prêt à extraire. Romain mise sur cet accessoire, le percolateur, qui, d'après lui, fait toute la différence. Comme chez les professionnels. Souvent, les clients, quand ils viennent nous voir, ils disent « je veux un expresso broyeur ». Et l'image qu'ils ont, c'est une machine où j'appuie sur un bouton, la machine fait automatiquement pour eux. Nous, on va utiliser un porte-filtre, comme utilisent encore tous les coffee shops, tous les bars, hôtels, restaurants, encore en 2023. Elle est sympa, cette petite machine. Pour jouer au barista, comptez tout de même 829 euros. C'est deux fois le prix de l'entrée de gamme chez la plupart de ses concurrents. Mais le couple semble prêt à se laisser tenter. À réfléchir, mais probablement achat futur. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Pour faire connaître son expresso broyeur australien, Romain quadrille la France à coups d'opérations spéciales. Après Paris, Rennes, Cannes et Bordeaux, le voici à Montauban, près de Toulouse. Avec son équipe de commerciaux, il vise ce type de magasin, spécialisé dans les ustensiles de cuisine. On va se mettre au four, ouais. Bon, on y va. Chaque session coûte à la marque 1600 euros en salaires et déplacements. On va dire que 90% de nos investissements sont liés à la démonstration en point de vente. Nous, notre publicité, c'est la présence magasin. Son objectif ce jour-là, vendre au moins 2 machines. Il compte sur le fichier de l'enseigne pour attirer du monde. Le gérant a envoyé cette invitation à 4000 clients fidèles. Apprenez les secrets des meilleurs baristas chez Adoc. C'est l'occasion d'animer la surface de vente, vous voyez. On a quelques participants qui viennent d'arriver. Une dizaine de personnes ont répondu présent, comme Isabelle et son fils Jonathan. Un petit café, messieurs, dames. Avec plaisir. Comment est-ce que vous l'aimez, votre café? Un double espresso. Un double espresso. Eh ben, c'est parti. Je vous propose de le faire, si vous voulez. Alors, dans le commerce, on dit que quand le client touche le produit, la vente est à moitié réussie. Voilà, allez-y. La machine se débrouille toute seule de trouver la bonne quantité. Ouais. Vous abaissez le levier à fond pour tasser, comme l'aurait fait un barista. Alors, ce café? Ah, très bon, j'adore. Alors, franchement, ouais, c'est... Ouais. Ça change. Il aime, Romain peut passer à l'attaque. On va vous aider à revendre votre ancienne machine. On va vous aider à faire un vide-grenier. C'est le moment de dégainer sa ristourne. C'est le temps, c'est vrai. Alors en plus, là, aujourd'hui, on fait 20% sur tout le catalogue Sedge. On y va? On va commencer? L'animation va durer une heure. Qui se lance? Qui se lance? Allez-y. Il n'y a pas de danger, vous inquiétez pas, elle ne va pas exploser. Les participants vont tous pouvoir manipuler l'engin un par un. Ben voilà, là, je suis en vert. Donc là, il suffit de le retirer et de le bloquer. Là, vous avez 25 tailles de mouture. Plus vous allez affiner votre grain, donc plus votre grain va ressembler à du sable, plus l'eau aura du mal à passer au travers. Et donc, plus vous allez avoir un café qui va tirer vers l'amertume. Il est temps maintenant d'amorcer les ventes. C'est une machine qui est au prix de 829 euros. C'est fabriqué c'est en Chine. En Chine, ouais. D'accord. Développé en Australie, fait en Chine.
Si certains font la grimace, d'autres passent à la caisse. La mienne, je sens qu'elle va commencer à me lâcher d'ici peu, donc c'était l'occasion. Vous achetez cette marque ? Pas du tout. Pas du tout. Montant de la facture avec la promo, 668 euros. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée, merci. L'objectif des deux ventes est à moitié rempli pour la marque australienne. Les autres participants, eux, sont allés regarder d'autres modèles en rayon, moins chers. Alors, face à de tels écarts de prix entre les machines, comment s'y retrouver ? À Paris, avec Daniela Capuano, torréfactrice, meilleure ouvrière de France, nous avons organisé un test à l'École nationale supérieure du café. Cette école forme barista et maître torréfacteur. Salut, bonjour. Avec le directeur, Antoine Nétien, expert en café, ils vont déguster à l'aveugle des expressos préparés avec ces machines, les best-sellers de chaque marque. Voici la Rolls, réservée aux pros, 7500 euros. Pour moi, ces genres de machines, c'est ceux qui fabriquent un expresso de plus haute qualité. En face, ces modèles conçus pour nos cuisines. Une de Longhi à 300 euros, la Sage à 830 euros, une Jura, le haut de gamme suisse à 2100 euros, et bien sûr la machine à capsule à 90 euros. On va déguster à l'aveugle, okay, à côté. C'est parti. Nous utilisons un café en grain de qualité premium. Donc là, on a mis le même café pour toutes les tasses. Le même, capsule comprise. Chaque numéro correspond à une machine. La dégustation peut commencer. Merci. Merci. Ils sont pas tous pareils. Faut le noter tout de suite. Il faut toujours remuer un café, oui. Il faut toujours homogénéiser son café. Merci. Surtout pour l'espresso. Visuel, odeur, texture et goût, tout est passé au crible. Avec des bons points. Il y a du goût, il y a pas mal d'acidité. Là, il est très, très, très sucré naturellement. Normalement, le café est sucré naturellement. Pas besoin de rajouter de sucre. Et des cartons rouges. Ouf. Non, c'est pas mon extraction préférée, en tout cas. Moi, je préfère un espresso avec un peu plus de corps. Très aqueux, très flotteux. Non, mais c'est quand même incroyable que c'est les mêmes cafés qu'on goûte, en fait. Parce que l'état, ça ressemble pas du tout. Petit côté cacao. Verdict, la machine professionnelle à 7500 euros arrive en tête. Ex aequo avec la machine australienne à 830 euros. En deuxième position, la machine suisse à 2100 euros, suivie de près par le modèle italien premier prix. Hors podium, la capsule. Vous êtes surpris ? Non. Non. Non, je ne suis pas surprise. Bilan, le fraîchement moulu fait clairement la différence, quel que soit le prix de la machine. Même à 400 euros avec un réglage correct, on peut faire des choses qui sont agréables et surtout, ça vous permet aussi de changer des cafés. En deux ans, les ventes de café en grains ont d'ailleurs presque doublé en France. Mais les capsules restent présentes chez plus de la moitié des consommateurs français et jouent la carte écolo. En carton compostable, en inox rechargeable ou encore enveloppées d'une pellicule d'algues. Elles n'ont pas dit leur dernier mot. On l'a vu tout au long de cette émission, les Français ont de moins en moins de temps pour préparer à manger. Et dans nos cuisines, de nouveaux appareils électroménagers sont apparus au fil des années pour nous aider à cuisiner toujours plus vite. Et c'est, je crois, ce que vous allez nous expliquer maintenant, Martial Liu. Oui, tout à fait, Julien. Et il y a un produit qui connaît un succès commercial énorme depuis quelques années, c'est Thermomix. Le premier robot cuiseur de la marque allemande a été lancé il y a plus de 50 ans. Et l'année dernière, la division Thermomix du groupe Vorwerk a généré un chiffre d'affaires de plus d'1,7 milliard d'euros. Et si ça marche, c'est grâce à des démonstratrices comme Myriam, bonjour Myriam, qui est aujourd'hui chez Ouda et avec deux autres clients potentiels. Alors Ouda, pourquoi est-ce que vous avez demandé à Myriam de venir chez vous ? C'est pour voir surtout si ça va m'aider à gagner du temps. Ok, donc l'enjeu, gagner du temps, bah, on va voir si c'est possible. On va commencer par la première recette. Ok, donc là, poisson, vapeur, tagliatelle et velouté de légumes en 20 minutes. En 20 minutes. Top chrono. Top chrono. Normalement, préparer une entrée et un plat principal, ça prendrait le double du temps. Mais ici, il n'y a plus qu'à râper,
découpé, mixé. Voilà, il a terminé. Et faire cuire les ingrédients à la vapeur. On ferme. Bon, donc là, on en a pour 20 minutes de cuisson maintenant. 20 minutes, un gain de temps qui a tout de même un prix très conséquent. C'est vrai que le prix, c'est pas négligeable. Parce que ce modèle, il vaut pratiquement 1400 euros. 1399 voilà. euros. Ah. Voilà. Donc là, ça y est, c'est terminé. Là, ça y est, c'est terminé. On dresse maintenant. Voilà, on met un filet de sauce, après c'est sa convenance. On voit qu'on a gagné du temps, c'est vrai, la promesse a été tenue. Bon appétit. Ces dernières années, les robots cuiseurs multifonctions se sont multipliés. Toutes les marques s'y sont mises, de Magimix à Moulinex, en passant par Lidl et sa marque d'électroménager maison. Il y en a à tous les prix, de 350 jusqu'à plus de 1000 euros. Pour mieux comprendre au fil des années comment les industriels de l'électroménager nous ont permis de gagner du temps en cuisine, il faut se rendre à Mulhouse, au musée Electropolis, consacré à l'arrivée de l'électricité en France. On y trouve les objets qui ont révolutionné notre quotidien. Car on a du mal à imaginer que jusque dans les années 30, c'était ces boulets de charbon qui servaient à cuisiner dans les foyers français. Ils vous étaient livrés par sac entier qu'il fallait stocker avant d'en remplir sa cuisinière en fonte. Il fallait alors attendre que ça chauffe pour commencer à cuisiner et maintenir la chaleur tout au long de la préparation. Bref, c'était salissant, peu pratique et très long. Avec l'arrivée de la cuisinière électrique et des plaques chauffantes, on a diminué drastiquement le temps passé en cuisine. Regardez celle-ci, elle date de 1936. On tournait le bouton et ça allumait les plaques. Damien Kunz, bonjour. Vous êtes le chef scientifique de ce musée. C'est vraiment une révolution, cette machine qu'on voit là de 1936. C'est une véritable révolution par sa simplicité d'utilisation et aussi parce qu'elle utilise une nouvelle énergie, qui est l'électricité. Ce sont des machines qui, effectivement, sont d'un usage beaucoup plus facile, ne serait-ce que par le fait qu'on n'a pas besoin d'allumer le feu. Donc, on peut s'en servir seulement au moment où on a besoin et on a des temps de cuisson qui sont effectivement plus rapides. Ça a été largement étudié, d'ailleurs, à l'époque. Et il y a eu toute une argumentation commerciale autour de ça. Et il y a une deuxième invention qui a révolutionné le quotidien des Français, Damien. Oui, c'est le réfrigérateur. Il est juste derrière. Celui-ci date de 1932. En fait, c'est le tout premier réfrigérateur qui a été vendu en France. Il faut dire qu'avant son invention, pour conserver les aliments, les Français avaient un garde-manger, comme celui-ci. Ils devaient alors se faire livrer d'énormes pains de glace et acheter des produits frais tous les jours. Alors cet appareil qui est extrêmement luxueux, il est révolutionnaire parce qu'il permet l'économie. On ne va pas jeter des aliments qui sont plus très très frais. Et un des arguments aussi qui est employé à l'époque, c'est la santé. On a la fameuse couleur blanche, symbole de santé, de propreté, d'hygiène, qui est encore aujourd'hui associée à ces appareils. Son apparition va d'ailleurs permettre le développement de la grande distribution. Désormais, les ménagères peuvent faire des courses en une fois pour plusieurs jours, car le réfrigérateur leur permet de stocker les produits frais. C'est un gain de temps considérable dans la vie des familles françaises. Alors, depuis, les professionnels de l'électroménager n'ont jamais cessé d'innover pour pouvoir nous faire gagner du temps en cuisine. Et pour vous le prouver, je vous propose de m'accompagner à Berlin, à l'IFA. C'est le plus grand salon international de nouvelles technologies et d'électroménager. Nous sommes au Messe de Berlin, c'est le parc des expositions de la ville. Alors l'IFA ici, c'est 2000 exposants et plus de 200 000 visiteurs. Alors venez avec moi, on va découvrir à quoi va ressembler votre cuisine du futur. Les plus grandes marques d'électroménager sont là. Sur leur stand, on trouve de tout pour toutes les pièces de la maison. De l'aspirateur autonome, à la machine à laver intelligente, en passant même par le grille-pain connecté qui toaste vos tartines en fonction des préférences de chaque membre de la famille. Des appareils tous dotés de l'intelligence artificielle. Premier arrêt au stand Samsung, l'un des plus importants du salon. La marque dispose d'un hall entier et une grande partie est dédiée à la cuisine. Ce réfrigérateur est bluffant. Bon, d'abord, il a un écran tactile, ça ressemble presque aux manettes qu'on met sur les vieux frigos. Mais regardez bien, on n'est pas à la fin de nos surprises. On a la possibilité de regarder ce qu'il y a à l'intérieur du réfrigérateur grâce à des caméras qui sont placées dedans. Alors, vous voyez ce qu'on a à peu près?
je vous le prouve. J'ouvre le frigo et voilà, c'est bien ce qu'on avait à l'image. Premier effet. Maintenant, on va aller un tout petit peu au-delà du gadget. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur, nous allons cliquer donc sur la liste des ingrédients de la nourriture qui est dans ce frigo. Alors j'ai repéré que j'avais du chou, voilà. Donc Et je vais demander à ce réfrigérateur de chercher la recette possible avec les choux. Plusieurs recettes possibles apparaissent sur l'écran, à base de chou-fleur évidemment. Allez, tenez, on va prendre celle avec du parmesan. Donc assez logiquement, vous avez la liste des ingrédients nécessaires pour faire cette recette. Donc je m'aperçois qu'il me manque du beurre, de l'ail, du paprika et du parmesan. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Envoyer tout cela sur une liste de courses. Et là, c'est très simple. Vous arrivez sur une plateforme d'une marque de la grande distribution classique qui va vous faire donc, comme tout e-commerce, un envoi de vos courses chez vous. L'intérêt, encore une fois, c'est de gagner du temps pour ne pas aller faire les courses au grand magasin et puis surtout de n'acheter que ce dont vous avez réellement besoin. Là aussi, vous faites des économies. Le prix de ce réfrigérateur est aux alentours de 3000 euros. Et c'est pas fini. À partir de mon réfrigérateur, je vais lancer la cuisson sur le four juste à côté. Hop, il suffit que j'appuie là sur le bouton et j'envoie l'information au four qui se prépare 230 degrés pendant 30 minutes. Je valide et sur l'écran, on lance le préchauffage du four. Donc, sur cet écran de réfrigérateur, je vais très précisément savoir combien de temps il faut pour que le four soit à bonne température et ensuite, évidemment, le temps de cuisson. C'est une économie d'énergie, évidemment, puisque votre four ne tourne pas inutilement. Et puisqu'on parle de four, je vous emmène voir celui d'un concurrent qui est encore plus performant. C'est un des phénomènes de ce salon IFA 2023, l'arrivée en force des Chinois. Ailleurs est l'une des marques qui a beaucoup d'ambition, y compris sur le territoire français où elle arrive. Et je suis avec Elisa, puisque je vous ai promis un four étonnant, intelligent et interactif. On est face à lui. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Tout à fait. Bah, c'est un four qui a l'interface utilisateur directement sur la porte du four. On a la température, on a le temps de cuisson et on a aussi la possibilité de regarder justement ce qui se passe dans le four grâce à la caméra. Une caméra qui filme les aliments. Je peux surveiller mon poulet rôti. Exactement. Est-ce que le four reconnaît mon poulet? Le four va reconnaître jusqu'à 35 ingrédients. Il comprend en fait, donc il donne une estimation du temps. Le temps est estimé parce qu'en fait il va arrêter la cuisson quand il voit, grâce à l'intelligence artificielle, que mon ingrédient est prêt. Est-ce que ça fait gagner du temps à celui ou celle qui veut cuisiner grâce à ce four? Évidemment, parce qu'en fait, tous les paramètres sont déjà là. Donc, c'est très rapide. Et en plus, comme vous n'ouvrez jamais la porte, la température ne baisse pas. Et du coup, le temps de cuisson est diminué. Elisa, ce four n'est pas encore commercialisé en France, hein? Non, pas encore. Il va arriver quand? Mi-2024. Et ce sera à quel prix? Autour de 2000 euros. 2000 euros, c'est tout de même près de 4 fois plus cher que le prix moyen d'un four encastrable. Mais voilà, Julien, c'est aussi ça le prix de l'innovation et du gain de temps pour nous faciliter la vie dans nos cuisines. Merci Martial, on se rend bien compte de l'évolution de nos appareils électroménagers et surtout le gain de temps que cela nous apporte en cuisine. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, bien sûr, Bernard de la Villardière avec un nouveau numéro d'enquête exclusive. Et je vous retrouve, quant à moi, demain matin pour Ça peut vous arriver. Merci à toutes les équipes de Capital, bonne soirée sur M6.